Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo, retour, enfin pas retour de course, arrivage de course de chez Thierry. Je vous ai dit que je me faisais livrer et je voulais partager ça avec vous parce que je sais que vous aimez bien et que je suis végétarienne. Donc, vous aimez bien que je vous partage tout ça. Donc, bah, je ne me montrerai pas, hein. L'important, c'est que je vous montre toutes mes petites courses. Donc, pour information, j'en ai eu pour 101,16 €, en sachant que j'ai eu pour cette commande 5 € de réduction, donc compris dans les 101, hein, évidemment, et j'ai eu un bac de glace gratuit. Donc je vais vous montrer ça. Thiriette donc vous appelle tous les mois pour prendre votre commande par téléphone après vous avoir ou envoyé ou déposé un catalogue. Donc vous pouvez faire vos petites courses tranquillement. Voilà, donc ça c'est le catalogue que j'ai eu pour le mois prochain. Il y a toujours des réductions. Voilà, vous avez les réductions en rouge et vous avez un petit papier qui est fourni à l'intérieur pour faire votre commande. Et là, voilà, c'est Steven qui me livre, qui m'appelle et j'ai la date du prochain coup de fil et de la commande que je pourrais passer. Voilà, donc ça c'est super, tout se passe par téléphone, c'est génial. Donc là, c'est les indications de sécurité qui ont été prises. Donc voilà, il portait un masque effectivement et il avait des gants. Voilà, donc et il m'a déposé ça dans mon entrée. J'avais un masque aussi et on était bah, à une distanciation sociale bien respectée. Voilà, donc mille merci. Voilà, donc moi je suis très très satisfaite de ce service. Alors tout d'abord, j'ai pris des champignons. Voilà. Des champignons, ça j'aime bien consommer des champignons. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre ça de côté. Je remettrai tout ça après dans mon congélateur. Enfin, je mettrai tout ça dans mon congélateur. Je viens juste d'être livrée. J'ai pris des aubergines grillées en tranches. Ça aussi j'aime bien. À faire au four ou à la poêle. Enfin, voilà, des légumes que j'aime bien consommer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ça c'est très bon aussi pour la santé, je vous en ai déjà parlé. Donc des petits cubes en poivron. Oh non, c'est l'inverse. Des poivrons en petits cubes rouges, jaunes et verts. Donc je vous ai déjà expliqué que ça c'était plein d'antioxydants, hein, les légumes. Donc soit je les mange crus, donc je les fais dégeler à température ambiante, soit bah, je les mets dans mes préparations, hein, dans mes lentilles corail, dans mes curry. Voilà, vous pouvez mettre ça avec tout ce que vous voulez. Hein. Hop! Ensuite, ça, c'est pas régime, hein, mais j'adore ça, c'est les frites au four. Hein. Donc, c'est pratique. Hein. Voilà, j'aime bien toujours avoir des frites. Hop, ça s'empile sur ma table basse. Ensuite, j'ai pris des haricots verts bio. C'est gelé, j'ai les mains gelées. Des haricots verts bio, ça aussi, j'en ai toujours. Voilà. Je mange beaucoup de légumes, hein, de toute façon. Beaucoup, beaucoup de légumes. Des choux de Bruxelles, ça aussi j'aime bien. Et je mange beaucoup de légumes et beaucoup d'épices. Ensuite, bah ça j'en prends rarement, mais ça dépanne. J'ai pris des falafels, donc un petit plat préparé. Ça peut dépanner quand j'ai la flemme. Donc ils ont toute une gamme végétarienne, hein, mais bon, ça coûte plus cher que de se faire à manger. Moi, je préfère me faire à manger moi-même. Mais là, en l'occurrence, bon, ça peut dépanner. Donc c'est français. Ce sont des falafels sauce carotte, semoule et semoule de brocoli et boulgour. Donc je pense que ça va être super bon. Ensuite, alors ça aussi c'est pour dépanner, elles sont très bonnes. Ils font des tartines comme ça que vous passez au four. Donc c'est rapide, c'est très bon, convient aux végétariens. Ce sont des tartines légumes chèvre. Voilà. C'est pas très cher et c'est super bon. Je remets tout ça dans le carton. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos adorables messages. J'étais justement en train de répondre à vos commentaires. Voilà, je vais poser ça. Hop, ça c'était le petit carton. Et là, oups là, c'est pas grave, j'ai un gros carton. Alors, je vais pouvoir m'asseoir du coup. Alors, j'ai pris, bah du coup, hop, je vais placer ça dans le carton.
Alors, j'ai pris ça aussi, c'est pas régime, mais ça dépanne et j'aime bien. Une pizza mozzarella basilic qui sont très bonnes. Ensuite, pour les jours de flemme et parce que ma maman m'a dit qu'elle était très bonne, j'ai pris une purée 100% pommes de terre. Voilà. Donc, ça dépanne aussi si j'ai la flemme ou si j'ai oublié d'acheter des pommes de terre. Comme je sors très peu, ben, ça peut servir. Là, j'ai pris deux feuilletés chèvre épinards qui sont très bons à mettre au four. C'est délicieux, ben, c'est toujours végétarien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ça, voilà, j'en ai pris beaucoup. Comme les avocats, c'est très cher et que quand on est végétarien, on en mange beaucoup et que c'est excellent pour la santé. J'ai pris des avocats en morceaux. Alors, je vous dirai comment ils sont. Ma mère m'a dit aussi de lui dire comment ils étaient. Voilà, donc je pense que je les mettrai pas au micro-ondes. Je les ferai décongeler à température ambiante pour pas qu'ils se ramollissent ou voilà qu'ils soient abîmés. Donc voilà, donc ça, je crois que j'en ai pris 3 boîtes. Alors ça, bon, bah, j'en consomme beaucoup de l'ail, donc j'en ai aussi du vrai, hein, mais ça dépanne de l'avoir voilà, en petit pot comme ça. Voilà, j'ai pris aussi de la coriandre et du basilic. Voilà, ça sort les tomates, c'est très bon. Puis moi, le basilic, j'arrive jamais à le faire pousser, il meurt, donc finalement, c'est plus économique de le prendre en petit pot comme ça. Ça non plus, c'est pas régime, mais c'est tellement bon. Des wedges aux épices douces, donc oui, on peut les faire soi-même, hein. Il suffit de prendre des pommes de terre, un petit peu d'huile, mettre du paprika, des épices, remuer, mettre au four. Mais ça dépanne encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors ça, j'ai pris de l'oseille hachée. L'oseille, bah déjà parce que c'est très très bon pour la santé. C'est encore un légume vert. Et je mets avec. J'ai dû prendre des épinards. Je fais un mélange épinards-oseille avec. Bah, j'ai fait une commande d'Isidomi qui devrait bientôt arriver, donc que je vous partagerai. Et j'ai pris des crèmes. Crème de riz, crème d'épeautre, etc., qui remplace la crème fraîche pour moi. Et je mélange donc oseille, épinards et crème d'épeautre ou crème de riz ou crème d'avoine. Et c'est délicieux. Voilà. Bah, encore des aubergines, parce que c'est très bon. Des aubergines grillées en tranches. Ensuite, j'ai pris évidemment des brocolis bio. Voilà, des brocolis en fleurette. Ensuite, j'ai pris, parce que ça aussi c'est excellent pour la santé, c'est plein d'antioxydants, hein, les fruits rouges, les fruits noirs. Donc c'est un mélange de fruits rouges. Donc ça, bah, j'en mange dans mes flocons d'avoine ou je peux carrément m'en faire dégeler avec un petit peu de sucre de fleur de coco ou de sirop d'érable, mais là il n'en avait plus, ou de sirop de datte. Je vous montrerai ça, j'ai pris du sirop de datte chez Casidomi. Bah voilà, ça a un index glycémique plus bas que le sucre raffiné. Et je prends plus du tout de sucre raffiné depuis des années. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, bah ça doit être encore des avocats en morceaux, à mon avis. Oui, voilà. Et l'autre boîte est ici. Voilà, je vous avais dit que j'en avais pris 3 boîtes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris là? Ah oui, c'est ma maman qui m'a dit qu'ils étaient très bons. Ce sont des fondants de pommes de terre, tomates mi-séchées et purée de fèves. Donc, c'est végétarien. Pas que, hein, mais bon, c'est fait pour les végétariens. À savoir que la fève est pleine de protéines. Donc, moi, j'en ai encore dans mon congélateur des fèves toutes seules. Hein. Voilà. Là, pareil, pour me dépanner, parce que sur Instagram, je vous avais partagé une recette de galettes que je me fais moi-même. Mais là, bon, bah, je les ai prises toutes faites. Ce sont des steaks panés, lentilles corail, boulgour et poivron, en sachant que les lentilles corail et le boulgour, c'est protéiné. Voilà, c'est l'apport protéiné des végétariens. Un des apports protéinés. Là, je me suis fait un petit plaisir parce qu'ils étaient en promo. Ce sont des bâtonnets panés à la mozzarella. Alors, la panure, hein, c'est franchement pas idéal pour la santé. Mais bon, hein, de temps en temps, je me fais plaisir. Donc, ça doit être très très bon. Et je crois qu'ils étaient en promotion aussi.
suis un petit peu enrhumée. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est de l'allergie, je pense. Là, j'ai pris du gingembre. Hein, excellent aussi pour la santé, le gingembre. Donc, je l'ai pris en surgelé. Du coup, là, j'ai repris des steaks, mais ceux-là, c'est soja, donc pour l'apport en protéines, épinards et emmental. Voilà, donc il y en a deux. Mon carton commence à être bien rempli. Ensuite, j'ai repris un sachet de fruits rouges. Comme c'est pour que un mois, j'ai pris la dose. Là, j'ai pris des épinards en branche bio parce que je les mange crus. Voilà, pour qu'ils gardent toutes leurs vitamines et minéraux. Je les dégèle et je les mange crus. Voilà, je ne les fais pas cuire. Sauf quand là, je vais les mélanger avec de l'oseille, hein, parce que l'oseille crue, c'est assez fort. Donc sinon, je les mange crus. Voilà, tout seul. Je vais laisser ça. Hein. On est à la fin. Et ensuite, voilà, j'ai pris du poisson, puisque je suis pesco-végétarienne, donc je mange des œufs et du poisson. J'ai pris, parce que c'est pas excessif, ou je prends du saumon, mais bon, c'est un petit peu cher le saumon, ou je prends des filets de colin. Donc là, il y en a pas mal. Hein. Je sais pas combien il y en a de morceaux. 4 à 9 pièces, donc j'ai de quoi faire. Voilà, sans peau, sans arête. Sera parfait. Et ensuite, alors il y avait pour alors je prends des sorbets. Je me suis fait plaisir au niveau des sorbets parce que ils sont à 500 pour 500 enfin 300 millilitres. Il y a 50% de fruits et 50% d'eau. Donc quand même 50% de fruits, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pour deux paquets achetés, deux boîtes achetées, on en avait une gratuite. Et comme j'ai dépassé un certain montant, on avait... Alors les glaces Tiriez sont... Alors on avait été coupé au niveau des sorbets. J'étais en train de remettre tout en place dans le carton pour aller mettre au congélateur. Donc je vous disais que les sorbets, deux achetés, un gratuit. Et pour un certain montant, on avait une glace gratuite, mais pas un sorbet, hélas. Donc ce sont des glaces, il faut le savoir, qui sont faites dans leur atelier en France. Et faites par Tiriez et leur pâtisserie et leur glace sont excellentes, mais vraiment excellentes, meilleures que chez Picard. Hein. Donc j'ai pris caramel au beurre salé, hein, évidemment, mais à la crème fraîche. Donc c'est un petit plaisir que je me ferai. Voilà, ça c'était offert. Et en sorbet, j'ai donc pris framboise parce que c'est mon fruit préféré, la framboise, avec donc 50% de fruits et 50% d'eau. Voilà, hein, c'est marqué là, plein fruits framboise fabriqués dans leur atelier. J'ai aussi pris cerise griotte, donc ça doit être trop trop bon. Et j'ai pris mangue passion. Voilà, ça sent l'été. Toujours pareil, hein, 50% de fruits. Parce que des fois, il y a très très peu de fruits. Donc, il faut vérifier hein, la contenance en fruits par rapport au sorbet. Voilà, je vais aller mettre tout ça dans mon congélateur. Mon fils a validé sa deuxième année de médecine avec des notes terribles. Donc, je suis trop trop contente. Je suis vraiment. C'est une super journée. On est le 9 janvier, je vais mettre tout ça en ligne tout de suite. Voilà, il passe en troisième année de médecine à Montpellier. Je ne sais pas, j'ai juste vu le message, j'ai pas encore regardé, mais apparemment il a des notes de fou. Il avait presque 17 de moyenne aux premiers examens de décembre. Là, ça doit être à mon avis pareil. Donc je suis très fière de lui. Hein. Voilà, vous pouvez me comprendre. C'est super. Je vous embrasse très très fort et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et après, je vous filme, enfin peut-être pas aujourd'hui, parce que je suis un petit peu enrhumée, une vidéo beauté. Mais voilà, je sais que vous aimez bien ces petits retours de course, donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous embrasse très 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 fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!